Yahoo Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo quiz, donc test de personnalité, etc. Cette fois-ci, on va être avec des personnages féminins, on va mettre les femmes un petit peu à l'honneur dans cette vidéo. Oui, j'ai la même tenue que la vidéo de la semaine dernière, tout simplement parce que j'ai filmé la même journée, et donc j'ai aussi le même vernis. Bref, on est donc sur le site quiz.biz. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais j'ai trouvé un test de personnalité spécial féminin et c'est tout ce que je voulais. Donc, quand tu es chez toi, tu lis un bon livre et tu regardes un reportage scientifique, compte ton argent, révise pour tes contrôles, cuisine de bons repas pour ton entourage. Je lis les mangas et regarde des reportages scientifiques. Sinon, c'est je cuisine des bons repas. 2. Quelle est ta couleur favorite? Violette, bleu dans ces teintes-là, orange, rouge, rose, marron, noir plutôt sombre, blanc, beige, rose plutôt clair. Je dirais et orange, rouge, rose en fait, et marron, noir, sombre. Donc, je suis un petit peu. À chaque fois, c'est toujours ça le problème dans certains quiz comme ça, c'est que tu as des fois deux possibilités. On va dire rose, rouge. J'aime beaucoup les rouges et tout ça, et le rose, ça me dérange pas. J'ai un sweat rose, hein, récemment, j'en ai acheté un. Voilà. Ensuite, tu aimes connaître et apprendre des choses, l'argent, tes amis et ta famille. Bah, je ne sais pas, moi et vous. Je veux dire connaître et apprendre des choses parce que mes amis, oui, ma famille, non. Donc tu vois, c'est là aussi le problème de certaines questions. Connaître et apprendre des choses. C'est tout? C'est des pubs. Ah non, c'est qu'il y a des pubs, d'accord. Où est-ce que je clique? Là. Ouais, non, mais j'aimerais bien accéder à la suite. Bloquer l'annonce. Je sens que ça va m'énerver cette histoire-là de pub. Annonce inintéressante, voilà. Oui, mais je veux la suite, moi, du sondage. Ah, voilà, merci. 4. Quel est ton type de nourriture? Les sushis, la nourriture sophistiquée, que ce qu'on me sert, du riz et des aliments bio. Je préfère des sushis, même si je préfère les makis. Voilà. 5. Tes habits, tu préfères t'habiller sexy, garçon manqué, classique? Peu importe, le plus important c'est d'être habillé. On va dire garçon manqué parce que sexy, non. Classique non plus. Et le truc important c'est d'être habillé. Non, j'aurais préféré qu'on me dise avec de la couleur, très clairement. 6. Ton accessoire fétiche, un chapeau, un ruban dans les cheveux, un sac large, un bandana pour le travail. Eh ben, il y aurait et un chapeau et un sac large parce que j'ai tout le temps des tonnes de trucs à me trimballer. Mais le plus important pour moi c'est avoir un truc sur la tête. Même ça me suffit. Hein. Ensuite, ouais, mais c'est pour partir à l'aventure. Bon, un chapeau. Avec quel personnage de manga pourrais-tu sortir? Pourquoi on parle de mec alors qu'on est sur un sondage féminin? Il faut savoir quel personnage. Ah, quelle fille! Donc, est-ce que, du coup, la réponse, faut voir comme si j'étais une fille. Et donc, quel genre de mec me plaît? Ok, on va essayer de faire comme ça. Zoro et Sanji, Edouard et Alphonse Elric, Kyo et Yuki Sama, et Shinichi Kudo et Natsu. Je vais prendre Kyo et Yuki Sama. 6. Si tu. Non, pardon. 8. Si tu avais un pouvoir, lequel ça serait? Multiplier les parties de ton corps, un produit karaté, invoquer des esprits via des clés, un bâton météo, un produit karaté. 9. Oh, il est trop mignon le chat. Si tu pouvais être un animal, lequel tu serais? Un chaton, un chiot, un renard, un loup solitaire. Un chaton. 10. Enfin, quelle phrase préfères-tu? Ça fait 100 sans berry chacun. Il faut toujours avoir confiance en soi. Mais voyons, moi, ma vie, je te la donne entièrement. Mais voyons, moi, ma vie, je la donne entièrement. Et je veux vivre, alors aidez-moi. Il faut toujours avoir confiance en soi. Et je suis Winry Rockbell, comme 7% des joueurs. Ah oui. Tu es inventive et très attachée à ce que tu aimes. Tu as un réel talent pour le bricolage et tu es plutôt jolie. Merci. Donc c'est tout en ce qui concerne ce premier sondage et on va aller voir.
Ah, il y a d'autres trucs. Quel test de personnalité de film de Naruto es-tu? Oh bah voilà, on va continuer là-dessus. Parce qu'en plus, là, la vidéo a fait que 5 minutes, donc impeccable, on va en faire plusieurs aujourd'hui. Donc, un niveau personnalité, tu es plutôt timide, garçon manqué, dangereuse, caractérielle. J'ai quand même pas mal de... Je suis un peu de tout, en fait. Je suis un garçon manqué, forcément. Timide, dangereuse. Ouais, c'est-à-dire séductrice. Et caractérielle. J'ai vraiment beaucoup de caractère. Donc, timide quand même par... Je prends souvent le dessus. Quel métier souhaiterais-tu faire? Fleuriste, vendeuse de magasins d'armes, femme au foyer, médecin. Vendeur de magasins d'armes. Là, tu m'as perdu, très clairement. 3. Quelle est ta couleur préférée? Le rose, le bleu, le violet ou le rouge? Le rouge. Ensuite, quel est le garçon préféré du manga? Naruto, Neji, Sasuke ou Sai? Eh ben, je vais prendre Neji. Voilà. Quel est ton sensei préféré? Asuma, Kurenai, Gai, Kakashi. Alors, j'adore Asuma parce que je suis un Shikamaru dans l'âme. Et j'ai fait Shikamaru en cosplay. Mais, c'est vrai que j'adore quand même Kakashi. Ensuite, quel est ton clan préféré dans ce manga? Akimichi, ok. Yuga, Uchiwa, Izuka. J'hésite entre les Yuga et les Inuka. Inuzuka, pardon. Je préfère l'équipe des chiens. Voilà, on va dire ça comme ça. Et quel personnage? Je suis Tenten. D'accord. Comme Tenten, tu as une personnalité très, très énergétique. Tu es très spontané par quelque chose que tu connais par cœur. Tout sur cette passion et tu es également un peu garçon manqué. C'est tout à fait ça. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis Denden. Donc, je vais dire un truc qui peut éventuellement spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la première saison de Naruto. Voilà. Très clairement, la première fois que j'ai vu Tenten en combat, j'ai trouvé quand même classe. J'aimais sa façon de faire, son combat, les armes, etc. Mais bon, après, on sait tout ce qui s'est passé. Désolée Tenten, mais je l'adore. Franchement, j'adorais ce personnage, j'ai bien aimé ça. Je vois qu'on est à 8 minutes, donc on va continuer, on va essayer d'en faire un autre. Test de personnalité, quel est ton petit ami dans Naruto? Oh, ça peut être cool. On va jouer, allez, hop. Donc c'est parti pour le troisième quiz, c'est quel est ton petit ami dans Naruto? Quelle est ta couleur préférée? Rouge, autre, noir, bleu. On va dire, on va rester sur rouge. Quelle est ton âme? Un kunai, un katana, un shuriken, mon corps. Kunai. Shuriken, je serais une catastrophe. Quelle est la fille que tu préfères? Sakura, Hinata, Ino, Temari. Temari, of course. Quel est ton caractère? Gamin, sérieux, calme, admiratif. Calme. Sérieux. Sérieux. Quel est ton animal préféré? Chat, chien, lapin, oiseau, chat. C'est tout? Oh bah, mon mec préféré, du coup, c'est Gaara. C'est une personne renfermée sur elle-même, mais grâce à Naruto, il est devenu gentil et ouvert aux autres. Il est beau, un démon est scellé en lui, mais ce n'a pas d'importance. Je suis d'accord, et Gaara fait partie des mecs que j'ai beaucoup aimés dans la série, donc pourquoi pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? Voilà. Cette vidéo test de personnalité est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas surtout en commentaire pour cette vidéo. Et c'est très important de me dire si ça t'a plu que je fasse comme ça déjà 3 vidéos test de personnalité. Et est-ce que ça te plairait que j'en garde et j'en fasse du coup pour cet été? Comme ça me permet déjà de prévoir l'été parce que je le prévois toujours avec beaucoup d'avance. Donc n'hésite pas à me dire tout ça. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Mes deux précédentes vidéos, test de personnalité ici, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye!